Je m'appelle Momar Diop, je suis le cofondateur de la société Skill Lake qu'on a fondée en 2016 après quelques années au service des entreprises qui cherchent des profils dans le numérique en Europe et en Afrique. Je suis Adja Niako, je suis entrepreneur success manager chez Concree que j'ai rejoint il y a 2 ans. Et Concree, c'est une structure qui permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir passer de l'idée au business scalable. Ce que l'on propose aussi, c'est la mise en place d'une plateforme pour les incubateurs et les accélérateurs afin de leur permettre d'améliorer l'accompagnement des entrepreneurs, qui s'appelle Let's Go. Nous avons eu 2 jours de formation organisés par le NTF IV et dispensés par Madame Nadine Rechenthal. Formation intense et qui se sont très bien passées. Très bien passées parce qu'on a vu tout un processus et tout le métier d'entrepreneuriat et d'innovation. Ça s'est très bien passé. Nous, on cherchait principalement 2 choses dans cette formation-là. La première chose, c'était bien évidemment de renforcer notre connaissance de ces outils-là et mettre cette connaissance-là au service des produits que nous développons, notamment ce logiciel Let's Go. La deuxième chose qu'on cherchait dans cette formation-là, c'était la méthodologie, parce que nous travaillons avec ces outils-là, donc que ce soit le Business Model Canvas et aussi le Value Proposition Canvas. On travaille avec ces outils-là depuis 2014. Et pour nous, c'était vraiment important d'assister à cette formation de Nadine. Ces formations, on va les exploiter parce qu'on va reprendre certains de nos produits et services que nous allons revisiter en mettant en pratique ce qu'on a vu, donc tout l'échange et toute la validation de la proposition de valeur auprès des clients pour s'assurer que le produit ou le service qui est développé correspond bien à une attente client. Pour les prochaines formations, si on peut filmer l'ensemble de la formation et mettre ça à disposition pour ceux qui étaient là déjà, mais également ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense que ça peut être intéressant à prendre en compte pour les prochaines séances de formation. Un message déjà de remerciement pour le NTF4 et les structures d'accompagnement qui accompagnent l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique. Un message d'encouragement pour les entrepreneurs. Encouragement parce qu'on est en Afrique dans un environnement qui est relativement hostile pour l'entrepreneuriat. Mais un message d'encouragement pour aussi se rapprocher de ces structures d'accompagnement qui nous permettent d'aller un peu plus loin, d'aller plus vite, d'être mieux outillés pour entreprendre et innover en Afrique.